Good morning, Mr. Bond. This man is Dr. Lenoir. He is about to invent the video game. If he succeeds, it will be the end of traditional board games and many British companies will go bankrupt. Tomorrow night, Dr. Lenoir is gathering the business tycoons. Mademoiselle Rose, Madame LeBlanc, Dr. Olive, Madame Pavanche, and Professor Violet. Your mission, if you choose to accept it, is to get into the manor, pretending to be Colonel Mustard, and to eliminate Dr. Lenoir. As always, if you were to be caught, the government will deny all knowledge of you and your mission. Destroy all evidence, as usual. And, Mr. Bond, good luck. Bond, en retard comme toujours. Toujours plongé dans votre bib, Q. On se tient informé. Monsieur, vous désirez ? Une vodka martini secouée, non agitée. Bien, monsieur. Merci. Voici les nouveaux gadgets dont vous aurez besoin pour votre nouvelle mission. Le Walter PPK, que vous connaissez déjà. Votre nouveau permis de tuer, avec 12 points. Et un briquet qui brouille les systèmes électriques. Monsieur, merci. Une dernière chose, Bond. Le plan d'accès au manoir et les clés de l'AMG. Bonjour monsieur, qui dois-je annoncer ? Colonel Moutard. Je vous en prie. Veuillez me suivre, attention, ne marchez que sur les carreaux noirs. Assez ! Si vous êtes tous dans mon manoir ce soir, c'est parce que vous dirigez les principales sociétés britanniques de jeux. Je vais vous faire une fleur. Dans quelques jours, je vais dévoiler au monde entier un nouveau système de jeu. Un jeu vidéo. Dans un an, vous croulerez sous les dettes. Dans 5 ans, vous serez totalement mort. Alors, je vais vous faire une offre à tous. Vous associez à moi, vous êtes tous morts. Commençons par vous, colonel Moutarde. Faites vos jeux. Il va faire tout noir. C'est quoi cette lumière ? Adjudant chef Garnier, j'écoute. D'accord, calmez-vous madame, ne touchez à rien, on arrive. Un mort au manoir Tudor, en route. Voilà la pièce, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Adjudant chef Garnier, mes adjoints, Hasbro et Parker.
Vous n'avez touché à rien ? Non, mais le colonel Moutarde a disparu. Le meurtre a été commis par le colonel Moutarde dans le grand salon avec un revolver. Impossible. Le colonel Moutarde est mort à Dijon. Si c'est pas Moutarde, il faut identifier l'assassin. Hasbro et Parker, chargez-vous du portrait robot avec les témoins. Professeur Violet, avait-il un gros nez ? Non, mais si ça peut vous aider, il est venu en MG. D'accord. Madame Leblanc, était-il brun ? Oui, et je dirais même qu'il avait un très beau teint. Ok. Docteur Olive, avait-il une moustache ? Oui, justement, je trouvais que ça faisait plutôt tache. Mademoiselle Rose, avait-il un chapeau ? Oui, il avait un chapeau. Et qui est-ce qu'il était beau ? Madame Pervenche, était-il barbu ? Non, mais par contre, il avait un beau... Merci. Ça y est, chef, je l'ai. Regardez, c'est James Bond qui s'est déguisé en colonel Moutarde. D'accord. Parker, vous pouvez le localiser ? Évidemment. Laissez-moi 5 secondes pour pirater les serveurs des services secrets. C'est fait, j'accède aux caméras de surveillance. Je l'ai, direct en prison ! Non, pas encore en prison ! Mademoiselle Matraque, oui, et Madame Leblanc.